changement climatique li là, nous pe ressenti sur ban l'effet avec changement climatique l'agriculture pe affecté, mais qui pou faire tout être vivant besoin manger pour vivre et survivre. Ainsi c'est adaptation qui est important entre temps qui réussit résoudre problème changement climatique qui pas de sitôt sa adaptation dans l'agriculture là. Chacun peut essayer de faire de sa façon et aujourd'hui dans Parole Agricole, nous pouvons avoir des élèves, des jeunes qui finent apprendre qui The Green Academy du professeur Victor Lee peut faire pour adaptation agricole. Part of the Mauritian Research and Innovation Council project. Ça c'est un projet Mauritius Research Innovation Council. Ça projet là fin financé par sa innovation Maurice là qui fin financé. So this project is the smart agrivoltaic rooftop greenhouse. Ça projet là il appelle ça smart agrivoltaic roof greenhouse, top roof greenhouse. Vous trouvez, il est dans la case, un bâtiment, le toit là-haut. C'est ça les poser et que les mettre agrivoltaïque, ça veut dire agrivoltaïque, ça veut dire ban photovoltaïque qui fait ban courant. And it's the first in the world. Mauritius now has a first in the world for agrivoltaïque. Et ça dans le monde entier, c'est ça un premier projet qui peut faire dans le monde entier ici dans Maurice. So we have a group of companies that are participating. Super Construction built this. Nanopack supplied the transparent agrovoltaic. Ouais, ça veut dire c'est qui en a ban partenaire qui est là-dedans. Ça veut dire en a Super Construction, c'est lui qui en sort pour faire sa ban construction, pour mettre toutes les affaires métal tout ça là. Et puis en a Nanopack, c'est pour une compagnie qui donne photovoltaïque. And Probe Energy is a local company that service the connection of the photovoltaic to the battery and then supply energy. Ouais, après il y a une autre compagnie qui diffère des services à ban batterie là, les connecter batterie là avec sa solaire là pour les capable produire électricité. Ça veut dire ligué sur ban côté maintenance. And of course this is happening at the Coral Azure Beach Resort. Et ça peut arriver dans Coral Azure, ici dans l'hôtel Coral Azure. And the agroecologic epigenetics, which is the science of the new and modern agriculture, is my company, which is the SRI2 International Consultants. Ouais, ça veut dire ce compagnie, c'est International Consultant, c'est ce compagnie ça, et c'est ça qui peut innover sa technologie là, parce qu'il y a une nouvelle technologie là-dedans. Qui diffère, il fait production ban planta pour grandir. Et il a un, il appelle ça un autre terme, agroécologique. Il appelle ça comme ça. Okay, so before you go in, let me just describe briefly what is the technology. Qui était sa technologie là? So this is photovoltaic, but it is transparent. Je trouve ça panneau photovoltaïque là. Je ne dis pas trouve panneau photovoltaïque, mais seulement ça là, il transparent. Il n'y a pas de panneau, vous avez trouvé qu'en bas, il y en a une ligne, il y a une plastique en bas. Tandis que ça n'a pas de panneau, il est transparent. Le soleil n'est pas rentré. Conventional photovoltaic blocks the sun. Yes, I already said. Okay. But this one allows sunlight to come through that is sufficient for plants. Ça veut dire qu'il laisse la lumière traverser le soleil qui est assez pour faire ce plan-là grandir. The first in the world is combining photovoltaic and this vertical hydroponic towers. Ça veut dire c'est qu'il peut dire là, il dit comme ça, qu'il y a un premier qui fait dans le monde entier
c'est qui est dans un channel comme ça, de trouver la communauté dans un tuyau là, et qu'il y a une plante là-dedans. Après, il y a un panneau photovoltaïque. Ça, c'est le premier. OK, so that is the two technologies. The third technology is we inoculate the roots with a fungus that is a very special fungus called mycorrhizae or mycorrhiza. Ouais, ça veut dire là, ce qui est arrivé, besoin de planter pour les grandir, besoin de produire de l'eau, tout ça là, pas besoin. Mais là, dans sa, de l'eau là, je te mets sa substance, il y a une substance qui appelle les mycorrhizae. And that mycorrhizae will pump water and also minerals into the cells of the roots. Là, ce qui est mycorrhizae, là, ce qu'il faut faire, il faut, quand ça de l'eau là peut aller, il faut pousser ça dans. Ça va de là, ça mycorrhizae dans sa bande plantasse, dans sa racine, dans sa bande sel, par exemple dans le monde dans une cellule, il vous rentre là-dedans. So that's three technologies combined, and in a few weeks' time, we will take water from the fish pond downstairs, and this will now become not hydroponic but aquaponic. So a fourth component, 1, 2, 3, 4 combined. Ça veut dire qu'il y en a quatre composants là-dedans. Ça veut dire premier, c'est de faire photovoltaïque. Deuxième, c'est lui prendre de l'eau, lui faire sa production de l'eau là. Troisième, c'est qu'il lui fait mettre sa mycorrhizae là pour une plante alimentée. Et quatrièmement, c'est qu'il lui prend un poisson aquaponique, nous appelons un de ces poissons, pour convertir pour une pompe. Ça ne veut pas pour faire hydroponique là. OK, so everyone say, transparent photovoltaïque. Say, everyone say. Transparent photovoltaïque. Very good. Vertical hydroponic. Vertical hydroponic. Mycorrhizae. Mycorrhizae. And then from the fish we get aquaponic. Okay, very good. These are the four combination and make it a smart. Okay, smart agrivoltaic. Rooftop greenhouse. First in the world. Okay. Agrivoltaic means agriculture but using sunlight for energy. Yes. Agriculture. Photovoltaïque, agrivoltaïque. Sérone Catherine Duquesne, ou professeur dans de l'Ilamoc Duc, Tinko, de Stella Cœur, c'est un ONG. Et nous trouvons ensemble avec un bon collègue, un bon élève, qui dans notre école, ici, dans le cadre de sa présentation, de l'agriculture à long terme moderne par professeur Lee et Manoj Siboron. Qui fait une initiative similaire de jeu de port? Est-ce qu'il y a un jeune là intéressé dans l'agriculture? Au fait, à l'école côté nous une école, en même temps une ONG. À l'école côté nous, au fait, nous débouchons sur un projet agriculture et définitivement, l'IN plus pour nous, pour connaître différents types d'agriculture qui sont possibles de faire dans un espace restreint parce que nous, ici, nous peinons un grand espace. Donc, définitivement, ça, pour aider nous pour développer et trouver une solution aussi à comment nous capables de faire une plantation autrement que dans la terre. Merci, Sérone Catherine Duquesne, pour ce détail que vous partagez avec nous là. All right, now, we will go in, but I suggest we go in 10 people at one time. Yes. Okay, first 10. Come in. 10 people. And then come down, you see, water come in, come down here. All right, roots, mycorrhizae in the root. All right, and come down into this tank. They go down there. One have mycorrhizae, one no mycorrhizae. No mycorrhizae is called control. Okay, control, neutral. All right, very good, thank you. Next 10, go out, next 10 come in. Take water from here, go up. Fais prendre de l'eau depuis en bas. Okay. One, two, three, four. Là, il monte dans sa bande channel là, il descend comme ça. Dans un, deux, trois, quatre. Down into the tank. Okay, pump back up again and come down. System number one. System number two. System number two. Okay, this pump for one, two, three, four. So separate. Il y en a deux systèmes, il y en a un système, il y en a trois fois ici et trois de l'autre côté, différemment, c'est un des trois. So this system has mycorrhizae,
This one, no mycorrhizae. This is called the control. Control. Two systems. Separate. Okay, very good. Thank you. Next, then, this one is system number two. Et le dernier système numéro 2. 1, 2, 3, 4. Il fait niveau 1, 2, 3, 4. And that is the central tank for system number 2. This is central tank for system number 1. Ça veut dire ça, il y a sa bonne solution là-dedans. Et là-bas, il y a une autre solution. We put the mycorrhizae on the root of this tank here. Okay, mycorrhizae here for 1, 2, 3, 4. This one, no mycorrhizae. Le côté pénal mycorrhizae, origine à mycorrhizae. So the roots will be infected with mycorrhizae. Okay. They are asking how many days it become a plant like this. This one is already 60 days. Okay. But the good ones have been harvested. These are not the good ones. This is, I leave this here as demonstration for you to see. So this one, no mycorrhizae, is called the control. This is the control versus the inoculation. Inoculation, no inoculation. Okay. Francesco Sommer, vous êtes le directeur de l'hôtel Coral Azur à Trois-Biches, où le professeur Victor Lee est en train de mettre en place, allons dire, une serre expérimentale où il utilise la technique dite d'agrivoltaïque. Ce n'est pas la première fois qu'on vient à l'hôtel ici, mais le projet a évolué pas mal. Redites-nous un peu pourquoi c'est intéressant au niveau de l'hôtel de mettre en place un tel projet. Avant tout, bienvenue au Coral Azur. C'est vraiment un plaisir de vous revoir après de presque une année. Donc oui, on a commencé à lancer ce projet avec M. Victor Lee l'année dernière, bien sûr. Et on était très, très, comment dire, intéressés parce que c'est connecté avec notre opération, spécialement au niveau de restauration. Donc, ce qu'on a fait, on a commencé à développer des recettes par notre chef avec tous les produits faits à la maison, bien sûr avec la technologie de M. Victor Lee, donc des produits organiques, des produits faits à la maison. C'est ça que maintenant les touristes ils cherchent, pas seulement les touristes, mais aussi les locaux, parce que maintenant l'attention pour les produits de qualité, et spécialement organiques, c'est un peu partout, hein, donc on doit s'adapter aussi à la, comment dire, à qu'est-ce que notre client il cherche. Et on a trouvé pendant l'année dernière que les projets c'était très très intéressant pour les touristes européens, sud-africains, de l'Asie, l'Inde, parce que très souvent ils vont visiter notre rooftop où il y a bien sûr tous les travaux faits par Monsieur Victor. Et les questions qu'il pose à M. Victor, ils sont très curieux à voir comment ça se passe cette technologie, donc de la possibilité de créer des produits de très haut niveau, on peut dire à la maison. Et aussi pour notre équipe, on a trouvé que beaucoup de staff, ils sont toujours avec Victor, demander comment faire, parce qu'eux-mêmes à la maison, ils voudraient développer cet projet, parce que tous les mois, il a un petit espace à la maison, donc pourquoi pas faire son propre produit. On fait des micro-greens, bien sûr. On fait des lettuces, on fait brocoli, tout ça, qu'après, tous les jours, on peut utiliser. Et nous, c'est utilisé vraiment dans le quotidien par rapport aux menus qui sont faits? Oui, ça, bien sûr. Ça, spécialement, on le fait dans les restaurants à la carte, donc restaurant à la carte ici, bord la plage, c'est servi des assiettes de plus haut niveau. Et bien sûr, dans les quotidiens, les buffets, on n'a pas la quantité suffisante. Là, on est avec notre chef exécutif Sanden Padayachi. Donc, lui, il peut nous expliquer un peu comment chaque jour, il utilise les produits qu'on fait ici à la maison avec les projets de Victor Lee.
Aujourd'hui, on a préparé une petite salade de crevettes avec le produit qu'on a sur le rooftop. Donc, c'est des petits microgreens, des petits laitues, des basilic et tout ça. Donc, tous les jours, on a ça à la maison et on en profite aussi pour faire déguster à nos clients tout le produit frais qu'on a à l'hôtel et ça se passe tous les jours. La salade, les laitues, les microgreens, donc on s'en sert tous les jours dans nos plats. Donc ça nous aide vraiment beaucoup pour la déco, pour l'amélioration de nos plats. C'est un très bon projet. Et éventuellement, ça ajoute une touche de luxe. Voilà, ça fait monter en gamme, comme on peut le dire, en ajoutant ces petits produits. Et c'est tout à fait frais, donc c'est super. Pour travailler avec, c'est idéal. Donc, comme vous nous le dites, et comme l'a dit le chef Sunden, tout ce qui se fait à travers ce projet pilote est utilisé. Ça, c'est une des facettes. Et vous venez d'Italie. Oui. En Italie, on a développé ce concept d'agritourisme. Exactement. L'agriculture avec le tourisme. Et je crois qu'avec l'association Falcon, vous prenez cette direction. Exactement. Donc, c'est quoi l'agritourisme? C'est visiter ou, bien sûr, essayer les produits directement chez les cultivateurs, chez les agriculteurs, bien sûr, où on fait l'agriculture. Donc, en Italie, c'est très, très connu. Il y a des gens qui aussi font toutes les vacances dans les agritourismes. Hein. Et ici, comment on dit, la curiosité et l'intérêt de tous les clients, ça commence à être fort pour l'agriculture, pour toute la partie verte, on peut dire, que Maurice, bien sûr, offre. Donc, on a organisé avec Falcon, on est en train d'organiser des excursions spécifiques pour visiter la partie agriculture, tout ça. Et pourquoi pas aussi prendre les produits et utiliser après avec notre cuisinier pour faire des recettes, donc pour expérimenter directement dans la cuisine. Donc, ça, c'est notre niveau de développement de notre projet. Et bien sûr, avec tous les agriculteurs qui travaillent sur l'organique, bien sûr, on va à... Parce qu'on ne peut pas, quand on a les grands buffets les soirs, on ne peut pas, avec notre rooftop, pour le moment, couvrir toute la demande qu'on a. Donc, avec l'aide de l'agriculture qui fait des organiques, on va, bien sûr, à travailler dans le futur. Et concrètement, les touristes qui viennent chez nous, de plus en plus, ils recherchent des produits bio, des produits organiques. Donc, quelque part, il faut que la demande et l'offre soient compatibles. Est-ce que l'offre de produits organiques et bio est là ou non, à vos yeux de gérant d'hôtel? Moi, je trouve que oui, il y a. Et bien sûr, ça va être encore plus. Je sais que l'organisation Falcon est en train de développer une vraie certification pour... PGS. Oui, exactement. Donc ça va aussi donner à nous, hôteliers et tout le monde qui travaille dans la restauration, un certificat de qualité au niveau des produits qu'après, avec plaisir, on va partager, bien sûr, avec notre client. Donc, En tout cas, merci beaucoup Francesco Sommer. Plaisir, plaisir. Et je vous dis bonne continuation jusqu'à la prochaine. Merci et on se voit à la prochaine. Encore un très bienvenu au Coral Azur. Hein. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir. Donc, toute l'équipe, on espère que vous avez apprécié, aimé ce qu'on est en train de faire. Et au niveau des hôtelleries, pourquoi c'est important ce projet? Parce que maintenant, la clientèle, ils cherchent en plus les produits organiques, les produits vraiment naturels. Donc, qu'est-ce qu'on a développé dans notre menu, spécialement à le restaurant à la carte, c'est de servir directement sur l'assiette les produits qu'on va cultiver, on va à faire ici directement sur notre rooftop. Donc, c'est là que la technologie de M. Victor Lee avec les photovoltaïques, bien sûr, le support de Falcon et tous les partenaires qu'on a dans ce projet, au final, ça va être partagé avec les clients
notre client international, donc on a un peu tous les marchés français, Angleterre, Allemagne, il vient un peu de tout le monde, pour comment dire, découvrir aussi comment on peut partager cette technologie, ce nouveau style de faire à la maison des produits de très haute qualité et partager avec les chefs, bien sûr, l'utiliser dans notre recette, spécialement dans les restaurants à la carte qu'on est en train de développer ici au Coral Azur, avec toutes les rénovations qu'on est en train de faire, les chambres et tout ça. Donc, on va à monter un peu les niveaux partout. Et c'est aussi, bien sûr, qu'est-ce qu'on a vu et partagé avec M. Victor Lee. C'était une très belle expérience pour notre équipe d'apprendre cette façon de faire, parce qu'au final, à la maison, on a tout un petit espace où on peut développer ce projet et doucement, c'est aussi un peu de formation, de développement aussi pour notre staff et bien sûr notre client qu'ils vont apprendre, ils vont visiter. Ils ont toujours beaucoup de questions pour Monsieur Victor, donc c'est un plaisir de vous avoir, de vous voir ici. Voilà donc, bande téléspectateurs mauriciens, fin gain l'occasion comprendre un peu qui était ça. Un smart agrivoltaic greenhouse, ça veut dire un lacet qui servit l'énergie solaire de façon intelligente pour permettre la pousse bonne plante. Dans le prochain épisode. Est-ce que j'ai une petite question? Comment dire le mot de vampire? She's saying that how water goes up on the tunnel. Yes. So the water does not go up, it comes down. So you see the pump pumps the water up into the roof with a hose, and then there are holes on the hose that make the water come down through the tube, through the vertical hydroponic planters. C'est arrivé un mauvais temps, regarde celui depuis plusieurs jours, arrivé une plante là. Several days having bad weather and there is no sun. What happened then? This is the common problem with photovoltaics. If there is no sun, then of course you have low energy. But this nanotechnology will generate electricity even when the sun is low or when there is cloud. Number one. Number two, when you put the light on at night, it will generate electricity once more because it is double-sided, two-phase, bifacial. So even if there is no bright sun, it will still generate electricity. And when you turn the light on at night, from below, it will catch the light, okay, from your electrical light. It will catch that light and it will once again create electricity. So this is actually a unique and a new technology for photovoltaics, this nanotechnology. Sa nanotechnologie-là, c'est un nouveau système de panneaux voltaïques. C'est qu'il absorbe la lumière depuis là-haut, il fait l'énergie depuis là-haut, et le panneau-là, il fait la lumière depuis en bas aussi. Ça veut dire que ce filament-là fait, comment dire, asseoir. Quand on paye la lumière, le soleil, là, c'est que quand tu n'as pas allumé la lumière, quand tu allumes la lumière, il prend ça la lumière en bas-là, il produit courant encore. Ça veut dire qu'il est capable de reproduire une nuit, une journée, il reste produire. Parce qu'il travaille depuis là-haut et il travaille en bas. À ce stade, si tu as une batterie, tu peux mettre ta batterie, il sort sa batterie-là, là, soit tu allumes sa batterie-là, là, il peut absorber la lumière-là depuis en bas et il sort sa batterie-là en même temps. En même temps, il peut rester à lui-même. Et il sur la pompe pour continuer à rouler, il peut capable continuer. Nous pouvons continuer avec Smart Agrivoltaic Greenhouse, tout le monde élève-là, pour gagner, pour apprendre plus à travers. Bonne session, questions-réponses.